Salut à tous, c'est Léo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 34 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier très gros match contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue. On espère donc remporter la Coupe dans cette vidéo. Ensuite, un match contre Reims et on terminera par un match contre Montpellier. Au classement, on est toujours premier avec une bonne avance de 10 points sur le PSG. Monaco reste en embuscade pour essayer de dépasser Paris. Ils ne sont qu'à 5 points alors qu'il reste 6 matchs de championnat. Fin du match, on remporte la Coupe de la Ligue, victoire 3 buts à 1 contre Paris. Un score plutôt généreux alors que le match était serré. On a très mal débuté la rencontre et on a réussi à revenir au score. Puis ensuite, on s'est imposé en dominant le match. 8 tirs pour Paris, 12 pour nous. On a cadré presque tous nos tirs. Très bon match de nos joueurs. Lacazette a mis un doublé sur penalty, dont un but d'une belle Panenka. Anthony Lopez est nommé homme du match avec une très bonne note de 8,5. But de Grenier et doublé de Lacazette. Passe décisive de Fekir. Tolisso qui a provoqué un pénalty. On s'impose donc 3 buts à 1 contre Paris. On remporte la Coupe de la Ligue alors qu'on s'était imposé dans les demi-finales contre Saint-Etienne au pénalty. On avait précédemment battu Reims et les Chamois Niortais en 8e de finale. Prochain match contre Reims justement à l'extérieur en championnat. Voilà la composition d'équipe. On fait tourner avec Robinson qui sera aligné sur le côté gauche. Gabriel est en pointe. Le match commence à la 6e minute avec une première occasion pour Reims. Devaux donne la balle à un attaquant rémois et heureusement Alisson réussit à reprendre le ballon au dernier moment. Reims continue de se montrer dangereux avec ce tir à la 10e minute, ça passe juste à côté. 12e minute, Claudio Bovy reçoit la balle sur le côté droit, il contrôle et tente de partir, mais il se fait rattraper. Ensuite, il réussit à éliminer des joueurs, donne la balle à Darder en retrait,
Dardère sert Gabriel qui donne la balle à Nouri, mais malheureusement sa reprise passe au-dessus du but. Il faut attendre la seconde période pour avoir une nouvelle occasion avec Robinson, notre jeune joueur formé par le club. Il lance un centre et c'est Nouri une nouvelle fois qui frappe, encore au-dessus, fin du match. Triste 0-0, quelques occasions dans le match pour les deux équipes, Reims a tiré 2 fois, nous 8 fois, aucune équipe ne sort victorieuse de ce match. Dernier match de la vidéo, voilà la composition d'équipe, on peut noter que Beauvue est passé dans l'équipe 1. Match à l'extérieur où il faudra s'imposer après notre nul contre Reims, on peut voir que Paris est revenu à 8 points de la première place. Le match commence au quart d'heure de jeu avec un coup franc de Fekir, c'est repoussé par le gardien de justesse. Sur une touche, Fekir une nouvelle fois le centre pour la casette, la retournée acrobatique est arrêtée par un défenseur, il s'ensuit une reprise qui frôle le poteau. La casette le retrouve à la 22e minute, il se retourne joliment et sert Paul Georgentep. Il est dans la surface de réparation et tire, c'est repoussé par le goal. Première occasion pour Montpellier à la 26e minute. Lasne a la balle sur le côté droit. Il réussit son centre pour Moura qui reprend de la tête. Ouverture des Montpellierains contre le cours du jeu. À la 28e minute, 13e but, toute compétition confondue pour Moura. Lopez est battu sur cette tête qui passe au-dessus de lui et qui arrive en lucarne. 35e minute, une nouvelle occasion pour Montpellier, notre défense qui se trouve. Et Moura qui veut partir pour marquer un doublé dans ce match. Mais magnifique retour de Samuel Umtiti qui nous sauve d'un but quasi assuré. Juste avant la mi-temps, festival de Deza dans la surface, il tire mais Lopez repousse. Au retour des vestiaires, on continue d'attaquer pour égaliser avec Entep qui récupère une balle. Il frappe mais c'est repoussé par le goal. 67e minute, Grenier a le ballon, il tire de loin, ça passe à côté. 72e minute, coup franc de Boudbouze, ça passe au-dessus. 73e minute, occasion pour les Montpellierains qui tentent de faire le break avec Moura qui frappe, ça passe juste à côté du poteau de Lopez. Et à la 90e minute, Gonalon récupère une balle, Lacazette la prend et elle part au but. Il élimine le dernier défenseur et frappe dans le petit filet. On égalise enfin dans les toutes dernières secondes du match. But de notre attaquant Alex Lacazette, 25e but, toute compétition confondue. On ne perdra donc pas ce match et on reste toujours invaincu en championnat. Fin du match, nul 1 partout. Lacazette a une note de 7,3 et l'a égalisé dans les dernières secondes de la rencontre. 9 tirs pour nous, 4 pour Montpellier. La fin de saison approche et il est temps pour nous de faire signer des jeunes joueurs du centre de formation. On va donc tenter de recruter 2 joueurs à fort potentiel et qui ont déjà un assez bon niveau. Après avoir joué 2 matchs de championnat, on est toujours premier mais gare à Paris qui revient à 3 points alors qu'on a un match de retard. Au début de la vidéo, on avait 10 points d'avance et on s'est donc bien fait rattraper à cause de nos 2 matchs nuls concédés dans cette vidéo. Alors qu'il ne nous reste plus que 4 matchs de championnat, cela promet une fin de saison électrique. Dans cette vidéo, on aura joué 3 matchs, un match nul contre Montpellier, un partout. Un nul 0-0 contre Reims et une victoire contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue 3-1. Dans la prochaine vidéo, on jouera contre Nantes à domicile, 3 à domicile aussi, et on terminera la vidéo par match contre Toulouse, encore une fois à domicile. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé, salut !